plus drôle, plus drôle, plus les capables, plus politique, plus rapide. Beau un chien. Ouais, c'est, moi, si j'avais un chien, là, pognerais Julien, je le donnerais dans l'enclos, je dirais mange-les! Ouais, pourquoi tu ferais ça? Puis là, le chien viendrait tout avec le petit rouge à lèvres, là, tu sais. Ouais, là, il sortirait son gros rouge à lèvres de ouais. Chien. Puis non, il barbouillerait mon ami Julien. Non, mais quand je veux dire que c'est beau un chien, je veux dire. C'est vraiment beau. Hein. Non, ben ça dépend du chien. Ah, je sais pas. Moi, ils me font tout bander. C'est le meilleur ami de l'homme. Oh oui. Ouais, mais Julien, c'est une amitié plus plus. Puis faire l'amour avec un ami, là. Ouais. C'est rassurant. Oui. On a-tu déjà fait l'amour, nous autres? Toi et moi? Ouais. Ensemble? Ouais. Je pense que vous avez juste baisé, fois, ouais. Non? Pas fait l'amour. Ouais, on a baisé fort, mais. Non, ça, on a baisé, mais on a pas. C'est pas... Oh mon Dieu, on est en nom de Seigneur! Hey, c'est les old timers. Les old timers, les vieux gobelins. Les vieilles raies. Les vieux gobelins, les vieux boblins. C'est ça, ça se peut-tu, ça? On est les culottes pleines de traces de braise. Ah oui, on est vieux, on est moche. Ouais. On l'a pu. Hey, puis ça s'en va de même, là. Ah oui, ça s'en va de même. On se meurt à petit. Il y a juste Joe. Joe, c'est un mort d'alpha. Joe aussi. Hein, Joe? Ouais, c'est un mort d'alpha. Relève-tu les gars qu'à nos âges, on commence à avoir du poil à des drôles de places? Des places, je savais même pas que j'en trouvais. C'est quoi la place la plus bizarre que vous avez du poil? Dans ton trou de cul. Moi, c'est sur la queue. Du poil sec. Sur la queue. Tu tranches ta queue. C'est comme si on dirait que ma queue portait un vison. Ah ouais. Tu tailles pas ça un peu comme une haie un peu. T'es comme Sabertooth. Je suis comme c'est comme ça que j'appelle ma queue. Juste il y a deux semaines il y a quelqu'un qui a lâché le Patreon parce qu'il disait qu'il y avait trop de jokes de graines fait que c'était vrai ça. Là, ouais, on vient d'en perdre 20 autres. Peut-être que là c'est ça, peut-être qu'on n'a pas écouté les signes. Non mais ils vont voir à soir on a des maudites bonnes chroniques, du maudit beau contenu hein Julien. Ben je vous c'est une chronique que j'attendais qu'il n'y ait pas de filles dans la place pour. Mais on a tous une petite feuille quand même. On a l'air sérieux. On est tous préparés. Julien a son cahier où il fait semblant d'écrire. Les membres de l'émission, ils ont genre 40 ans. Les filles. Les jeunes filles. Les petites filles de l'émission. Tu sais, quand cette personne-là a dit qu'il était parti à cause qu'il y avait trop de jokes de graines, j'étais là. Hey, c'était un épisode où on n'a littéralement fait aucune joke de graines. Puis finalement, j'avais montré une photo de pénis de dauphin, de baleine. Ah bon. Alors, Mathieu, ça rendait mal à l'aise. Il promet si vous aurez bien le droit. D'ailleurs, on a entendu la chaude voix de Mathieu. Comment il va? Hey, ça va bien, ça va bien. Je veux juste faire un shout-out aux amis de Bric et Brac. Sébastien et François qui ont fait leur Saint-Jean de Bric et Brac le 23. Je m'en remets encore difficilement. Là, je pense que j'ai encore un peu mal à la gorge de ça. C'est large, entre autres. Et on aussi, est vieux, on est moche. Et c'était un esti de party. Pour vrai, j'ai pas trippé de même sur une de mes Saint-Jean depuis je sais pas quand. Là. Max c'était là aussi. J'oserais même dire que c'était une des plus belles soirées de ma vie. La conjointe Laurence a dit que c'était une des plus belles soirées de sa vie. Ouais, aussi. C'est vraiment. Le plus bon jour de toute ma vie. Yappi! Un moment plus émouvant, là, j'ai reçu une dose d'amour qui a pas de bon sens, entre autres, avec Claude, mais même après, on a fait le party, c'était le party jusqu'à 3h du matin, puis c'était comme un bain de foule d'amour, là, ça avait aucun pour bon sens. Si, je me disais, si je tenais à toi, j'aurais été ému par ça. Ah, ouais. C'est fou, hein? Et on a entendu la voix de Nicolas, lui-même, perplexe par rapport aux propos de Mathieu. Comment il va, Nicolas? Perdon, je comprenais ça. Quand on ressent rien, on ressent rien. C'est ça. Faut pas le forcer. On va pas faire semblant. Moi, quand je regarde, je ressens de la colère et du dégoût. Tu vois, tu ressens quelque chose. Parlez-en bien, parlez-en mal. T'es vivant, Julien. Ah oui, je suis vivant. J'ai envie d'en savoir plus sur la Saint-Jean de Nicolas. Oui. Je me demandais justement, en fait, c'est à ça que je réfléchissais pendant que vous parliez, puis je me disais, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écouté le spectacle à TV. Tu fais de la MDMA avec Marie. Monter un grand dossier. C'était quand la Saint-Jean, en fait? C'était vendredi. Ben, le 23, c'était vendredi. Les célébrations, mettons, puis le 24 samedi. Où c'est que j'étais? Et on a avec nous. Ben oui, j'ai rien fait d'intéressant quand c'est à ce niveau-là. Moi, c'était une journée comme les autres. Tu ne te souviens pas que c'était fait le 3 jours.
Je pense que je revenais de Québec, j'avais été voir ma famille, puis j'étais juste content d'être de retour. C'est, oui, c'est le mot ton ami. Ma famille. Oui, mais ton ami de Québec. Est-ce que t'as vu ton ami? Non, non, pas cette fois-là, c'est juste la famille cette fois-ci. C'est moi François qui le... Ben d'ailleurs, je vais le voir. Je vais le voir la fin de semaine prochaine. Chanceux! Je retourne à Québec pour le voir, dont d'autres amis aussi. Mon Dieu. Pourrais-tu enregistrer sa voix, quelque chose, pour on le rentre? Peux-tu lui demander de refaire sa chronique? Je sais pas trop si je veux être complice là-dedans, mais on va lui demander. C'est ton ami. Que tu l'enregistres. Ah, vous avez entendu le doux rire d'un homme plein d'amour récemment. Maxime Gervais, comment il va? Ça va super bien. Wow! Demain, je sors un album. Ah! Youpi! Hey, c'est vrai, tu nous avais envoyé en preview puis je ne l'ai pas écouté. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc, demain, sur toutes les plateformes, ça s'appelle Torse nu. Hier, j'ai tourné un vidéoclip maison à la bonne franquette, tout seul avec mon trépied, puis il est monté, tout est prêt, ça va sortir. On peut dire pour quelle pièce? Oui, ça va être pour 18 manteaux de fourrure. Ah. Et ça va sortir, le clip, il va sortir pas demain, là, mais dans les prochains jours. Il me semble que j'ai d'autres choses à plugger. Ouais, j'oublie tout le temps d'en parler sur le... C'est déjà beaucoup, là. J'oublie tout le temps d'en parler sur le show régulier. J'en parle tout le temps juste à Toujours Vivant. Mais le cabaret de Claude Crest, le 24 août prochain, là, la moitié des billets sont déjà vendus. Fait que si t'es chez vous à dire « Oh, moi, je vais acheter ou moi, je vais acheter. » Non, non. C'est là le moment d'acheter vos billets. Arrête de niaiser. Bravo. Maintenant, là, bravo. Bravo. Ben écoute, Maxime, il me semble que j'ai Julien, chose à dire. Ben, tes affaires, toi. Non, ben je vais prendre tes gosses au bon, là, quand même. Moi aussi, j'ai un show le 13 juillet. C'est tout bientôt, là. Le 13 juillet, c'est dans deux semaines. Les grandes entrevues de Julien Bernatchez. C'est au Café Cléopâtre. C'est au Cabaret Cléopâtre. Café Cléopâtre. Café Cléopâtre. Moi, je sais qui tu vas interviewer. Ah, on peut pas le dire. Je vais le dire. Ben non, mais appelez-moi, je vais vous le dire, c'est qui. Ben parce que c'est pas. Il y a encore. Écrivez-moi, là. Je vais l'annoncer avant le show, mais il y a encore des petites affaires à régler encore. Mais c'est le 13 juillet. Alors, ça va être mon premier show solo. J'ai réalisé ça, mené tout d'un coup. Je crée, c'est mon premier show solo. Superbe affiche, d'ailleurs. Oui, belle affiche de Julien Charbonneau. Alors, venez voir ça, tu les amis. Tu ressembles vraiment au méchant dans Monsieur Nounou. Oui, oui, effectivement. Puis sinon, bon, on fait plein de shows gratuits. Ça coûte quelque chose. Là, mais on fait comme... je fais trois opérations beurre de cinoche gratuits, puis deux d'essayer des rêves. L'opération beurre de cinoche, on va recevoir Yves Pelletier, on va recevoir les gars du Gong Show, on va recevoir Pascal Cameron. Alors, tout ça, c'est gratuit. Alors, venez voir ça aussi. Ouais, pendant la semaine de Zoo Fest, là, on va être. Julien va avoir son opération beurre de cinoche, donc entre le 13 et le 22. Là, ça va sortir sur les réseaux bientôt. Oui, oui. Ouais. Puis nous aussi, la DCI des rêves, on va faire un spectacle pour Zoo Fest et on va en faire un aussi dans le cadre de Juste pour rire la semaine suivante. Fait que ça va être le fun. Voilà. Alors, c'était nos plugs. Hein, 13 juillet, mon show. 24 ou le choix Maxime, venez voir ça. Puis voilà, alors on va commencer avec ma chronique maintenant. Parce que là, ça va faire le niaiseur. Bon ben, puis là, c'est le moment où je m'en vais. Assurément. Alors vous savez, les amis, j'ai pas peur de la controverse, j'ai pas peur de. C'est le cas de le dire, de brasser de la marde. Vous allez comprendre. Très bientôt, vous allez comprendre. Brasser de la marde. Ouais, c'est comme quand les branches avaient brisé tes égouts. Oui, ben ça, j'ai brassé de la marde, littéralement. ça, c'est... Maxime parlait de sa meilleure journée à vie. Là. Ça, c'est la pire. De l'autre côté du spectre. C'était-tu vraiment la pire journée de ta vie? Bon, pire, peut-être pas, mais je suis dans le bottom 3. Là. Je fais pas le meilleur bottom. Oui, c'est le bottom 3. La ville de Québec. Ben, c'était dans le bon bottom de la ville de Québec. Je pouvais pas... Je ne pouvais pas dormir parce que si je dormais plus d'une heure, mettons, il allait avoir de la marde sur mon plancher de salon. Alors, mais c'est pas de ça que je veux parler. Je veux parler plutôt de marde. Je veux parler effectivement d'un grand dossier donc sur comment se torcher. C'est pour ça que tu dis que tu voulais pas le faire ça, devant les filles. Je suis content que tu voulais attendre parce que ça m'intéressait beaucoup. Oui, l'autre jour, j'ai croisé Nicolas dans la rue. Ça arrive, oui. Oui, mais il était avec Marianne. Puis j'ai dit, c'était la semaine passée, puis j'ai dit, je sais pas encore, je fais ma chronique sur mon nouveau iPad. Ou sur comment se torcher, puis Nicolas était comme « Oh, j'aimerais ça que tu m'attendes, ça m'intéresse beaucoup, ça. Oh, » J'ai plusieurs problèmes de torchage, donc ça m'intéresse fait que de savoir. J'ai été touché, j'étais attendu, alors je le fais. J'apprécie avant, merci Julien. Oui. Je vais prendre la balle au bon avant ta chronique. Je viens de me souvenir d'une anecdote. Oh. On est en tournée, on s'arrête à la fromagerie des Basques. Mmh. Oui. Et moi, je fais la file pour les toilettes. Et là, il y a un monsieur qui sort d'une cabine et il me dit « Hey, va pas là, il n'y a plus de papier de toilette dans celle-là. » Parfait, moi, je rentre. Mais là, en me retournant, je vois Julien rentrer dans cette cabine-là. Oui, là, tu n'y as pas dit. Non. Et là, moi, je fais mes affaires, je sors, puis là, Julien, il sort, puis tu sais, tout va bien. Puis là, c'est dans le char que je suis comme
t'es-tu torché? Oui, je me suis torché. Puis là, il est comme, ben oui. Puis là, je dis, OK, mais il y a un monsieur qui m'a dit qu'il n'y avait plus de papier. Il restait un carré. Il restait un carré. Ben oui, mais je l'ai vu après avoir chié. Mais le pire, c'est content. Très heureux qu'il reste un carré. Puis là, moi, après ça, dans le char, les gars étaient comme... Ben moi, j'étais comme, veux-tu qu'on arrête pour que tu te torches? J'ai comme, non, non, j'en avais assez. Moi, on tabarnane. Assez de quoi? Mais non, mais ça se peut de n'avoir assez d'un carré. Ben, peut-être qu'il va ben, expliquer mais comment... ça m'intrigue parce qu'il m'a toujours impressionné quand j'habitais avec aussi. Lui, c'était vite, là. Il se torchait comme ça. Ouais. Ben, peut-être qu'il y a juste des non. merdes très efficaces. Ah, ben, ça dépend. Mais... un carré. Là. Des crottes fantômes. C'est pas de ma faute. Ouais, c'est ça, oui, non, mais ça m'a... je me suis rendu compte après avoir fait mes affaires qu'il n'y a pas de. Parce que tu me l'as pas dit. Ben oui, mais t'aurais pu refaire la file puis aller d'une autre cabine qui a du papier. Parce que je m'en suis rendu compte tard. Après avoir chié. C'est trop tard. Je regardais pas le papier avant de chier. Si tu regardes-tu le papier avant de chier, moi, mon point, Julien, c'est pas qu'il n'y avait plus de papier. Mon point, c'est que devant le fait qu'il n'y a plus de papier. Il y avait papier, il y avait un carré. Tout est sorti de là sans te torcher. Oui, au lieu de chercher un carré. Au lieu de chercher une solution, t'es embarqué dans le char avec nous autres. Oui. Le cul plein de merde. Non. Tu t'es rendu chez vous. De même. Ouais, on dirait des fois, Maxime, t'essaies juste de trouver un contrepoids à ton histoire de cul. Non, mais franchement, ouais, là, ouais, c'est vrai, mais non, c'est vrai, il cherche ouais, des culs pleins de marde. Qu'est-ce qui t'apparaît impossible que je me sois torché avec un carré? Moi, je le crois quand tu dis ça pour vrai. C'était pas idéal, un carré. Franchement, là. Oui, oui, oui. Mais pourquoi? Moi, c'est parce que avec le backstory, s'il n'y avait pas eu ton histoire de Claude Crest avec les culottes un peu brunes. Oui, mais j'ai dealé la situation, là. Oui, oui, mais. C'est quoi, toi, tu penses pas que je me suis torché? Là, j'ai l'impression que depuis que tu as raconté ça, j'ai l'impression qu'il y a une aura de toi qui fait en sorte que tu essaies de trouver quelqu'un d'autre pour pas être ce gars-là. C'est là, tu essaies que Julien soit ce gars-là. Julien, il y a plein d'autres affaires qui jouent contre lui. Oui, sur plein de choses, mais pas là-dessus. Je suis le niveau Nicolas, on me niaise plus que Nicolas. Elle me dit, oh, mais ouais. Un coup que je me suis rendu compte de mon accident, là, j'étais allé m'essuyer bien comme faux. Puis là, après ça, moi, j'étais en arrivant chez nous, c'était dans la douche, puis ah ouais, le jet ou ce qu'il faut. Ben oui, il va prendre une douche dans le char. Lui, il aurait pu, c'est ça. Non, moi, ce qui me dépasse, c'est qu'on aurait pu arrêter. Il y a mille affaires de plus que t'aurais pu faire que de dire, ah ben, un carré, c'était suffisant. Ça fait pas de sens, son histoire. Ben oui, mais peut-être que c'était suffisant. Sais-tu quoi? Ouais. Tu viens de reprendre le contrôle du podcast. Et voilà. C'est plus Maxime l'animateur, non, c'est là, toi il a maintenant. Perdu la crédibilité. Non, c'est impossible que je me sois torché avec un carré. C'est pas l'idéal. Mais qu'est-ce que je te dis? C'est ça que j'avais. Maxime, tu trouves que c'est possible? Très petit, un carré. Oui. Mais oui, c'est possible. Moi, Maxime, je veux juste avancer la storyline. Vous êtes complètement débile. Là, tu vois, t'as tout perdu, puis là, tu patauges. Ben, peut-être. Ben, heureusement. Mais les petits souris, quand ils tombent dans le lait, s'ils patauges, un ça devient du bas. De quoi tu parles? C'est quoi cette expression-là? Ouais, dans ton beurre de rein. Ça existe-tu pour vrai, cette image-là? Une petite souris dans le beurre. Non, mais c'est vrai. C'est parce que déjà... Oui, c'est si deux souris tombent dans un bol de lait. Puis là, ils... un bac de lait. Ça, ouais, puis là, s'il y en a une qui abandonne, mais où t'as entendu ça? S'il y en a une qui continue de patauger, le lait devient du beurre, oui, puis elle peut s'en sortir. Je comprends l'image, mais tu viens-tu d'inventer ça ou ça existe déjà? Ça existe vaguement. Ouais, j'ai déjà entendu ça. C'est pour ça que t'as décidé de pas te torcher pour... Ben, j'ai appelé de beurre de rein, là, mais c'est pas grave. OK, donc ta chronique. Alors, ma chronique, alors effectivement, sur comment se torcher. Alors, parce que souvent, on... Alors, tout ce qu'il vous faut, c'est un carré. C'est amplement le même. Je pense que vous n'avez trop. Des fois, un demi, ouais. Je pense que vous n'avez trop. Un quart. Si vous avez des ciseaux à porter... Vous autres, vous le défendez. Si vous avez des ciseaux, vous pouvez couper votre carré en quatre. Franchement. C'est pour vrai, qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as mis sur le bout de ton doigt, puis t'es comme... Ben, je sais plus, là, je me suis torché. Ben oui, mais c'est impossible. Ben non, ben, je l'ai... Mais là, je veux savoir comment me torcher, là. Ben oui. Je veux savoir. Maxime, tu le vois bien que ça marche pas, ton histoire, là. Tu continues. Mais la petite souris, maintenant, ça va être du beurre. Maintenant, on va pouvoir sortir du bac. Alors, donc, comment... Ben, c'est ça. Donc, se torcher. Mais là, tu me fais perdre mon fil de pensée un peu, là. Comment on fait pour se torcher? On voit que c'est un pro. S'il peut le faire avec un carré, tu sais. Oui, non, mais c'est pas ça qui est question, là. Parce qu'il maîtrise tellement. Ben, c'est ça. C'est plus de ça qui est question. C'est sûr qu'il y a une technique d'épaisseur, là. Oui, il était mince. Quand tu joues au golf, c'est un carré simple. C'est parce que t'es bon au golf. C'est ça. C'était pas un carré deux épaisseurs, là. C'était un carré une épaisseur. Ouais, disons, on imagine bien. Une toilette publique, là. Oui. Je sais pas quel papier a tout survécu. Fait que c'est ça. Donc, comment se torcher? C'est que, dans le fond, rendu à l'âge adulte, on ne va pas demander à un ami comment je fais pour me torcher ou je ne sais pas quoi. Quand est-ce qu'on apprend à se torcher? On apprend à se torcher à l'enfance. Mais des fois, on l'apprend par nous-mêmes ou on le désapprend. Il y a des choses qu'on désapprend. Souvent, on désapprend à se brosser les dents. Il faut réapprendre un peu
Hein? Non, c'est vrai. On c'est vrai. Je vois ça en thérapie. Hein. C'est faux. On désapprend des fois des choses qui, qu'on traîne depuis l'enfance. On désapprend à se brosser les dents. Mais gars, il y avait quelqu'un qui avait un kink de vouloir se mettre une couche puis de se chier dessus. Mais il fallait qu'il réapprenne. Non, kink, non mais attends, il fallait qu'il réapprenne. Pour une fois, à se chier pas de kink. Dessus, ah, ouais, parce qu'on perd, c'est plus difficile qu'il paraît de se chier dessus intentionnellement. Alors, avec couche, pas, là. Donc il fallait, il fallait vraiment qu'il s'entraîne. De quoi tu parles? Vous lirez là-dessus. Il est trop tard pour recommencer. Alors, je vais vous poser... Quelle fille ne marche pas, là? Alors, je vais vous poser des questions sur vos habitudes de torchage. Je vais vous demander d'être honnête. Je sais que l'ambiance est à la rigolade, tout ça. Mais je vous demanderai d'être honnête dans vos réponses, s'il vous plaît. Alors, je vous pose des questions. Donc, d'abord, j'ai fait des petites recherches sur qu'est-ce qu'on peut faire pendant qu'on chie. Évidemment, on peut... niaiser sur son sel, ou on peut faire de l'origami avec le papier, mais ça, évidemment, ça en prend plus qu'un. Alors, j'ai quelques photos que Joe a qualifié de mes documents, de ma documentation. Il a dit « Ta documentation, mais les photos dans quel ordre? » Alors, c'est des photos d'origami avec du papier de toilette. Très intéressant. Ah, Marianne me mentionne que la métaphore des souris avec le beurre, c'est dans « Catch me if you can ». Ah, je ne m'en rappelle pas, honnêtement. Peut-être. Je vous fais confiance. Alors, ensuite de ça, oui. Est-ce que vous torchez toujours? Ben oui. Voyons, tabarnak. Qu'est-ce que ça veut dire, toujours? Je suis pas en train de me torcher. En ce moment, non. Non, après avoir chié. Oui. Ben oui, bien. Mais là, tu donnes des armes un peu à Max. En posant cette question. Vous avez la bonne réponse. Tu vas perdre le show, Julien. Vous avez la bonne réponse, car... l'essuyage n'est pas seulement une question de nettoyage après avoir été à la selle, il permet également de protéger sa santé. Un essuyage inadéquat augmente le risque d'infection des voies urinaires et des vaginites chez les femmes et de démangeaison et d'inconfort général chez les hommes. D'hémorroïdes, même. Ben, d'autres mots, tu sais, le truc qui pique quand on se torche pas. Alors, vous avez eu la bonne réponse là-dessus. Hey, on va y aller avec quelque chose d'un peu plus pointu. Le gars a 40 ans. Comment c'est ça qu'il fait. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous utilisez votre papier de toilette? Je m'explique. Est-ce que vous le pliez, le chiffonnez, l'enrouler autour de votre main ou le mouiller? Ou aussi, une autre réponse acceptée, c'est de combiner des choses comme ça. Alors, je répète, le plier, le chiffonner ou l'enrouler autour de sa main. Qu'est-ce que tu fais, Mathieu? Ben moi, je le plie d'emblée. Si j'ai accès à une source d'eau, je le mouille. Sinon, à la maison, j'utilise le bidet, tout simplement. Mm-hmm. Ouais, ben là, c'est ça. Là, le bidet, on en fait abstraction. Mais depuis, je fais ça que depuis que j'ai un bidet. Depuis que j'ai un bidet, j'ai de la misère à y aller sans utiliser quelque chose de mouillé. Ouais, j'ai oublié de le préciser. Là, on fait abstraction du bidet. Là, fait que là, des fois, tu es dans une cabine publique, fait qu'il n'y a pas accès à une source d'eau. Fait que j'y vais juste avec le pliage. Si j'ai accès à source d'eau, je mouille. D'accord. Et toi, Nicolas? Et moi, quand j'étais plus jeune, j'étais très malécureux. Ça m'écœurait. Fait que je faisais un immense tas, gros comme ça, puis je pouvais passer genre deux rouleaux en galant. Ça. C'était très problématique. Mais d'ailleurs, maintenant, je le plie. Puis on habitait ensemble, et Nicolas passe beaucoup, beaucoup de temps à la toilette. C'est mon instant de lecture. Parce qu'il aime pas ça faire caca. Je passe des livres au complet. En fait, j'aime ça faire caca. J'aime pas m'essuyer. Aïe, aïe, man. Je le fais, puis je suis pas bon pour le faire. J'espère que tu le fais, parce que sinon, tu cours le risque d'infection. J'en ai eu des infections. J'ai eu des hémorroïdes, ce qui m'a fait découvrir les lingettes mouillées, puis ça, avec de l'aloès. Ça adoucissait. Puis là, je suis devenu accro à ça. J'utilisais toujours des lingettes, puis j'en ai trop utilisé. Faites attention, les jeunes, n'utilisez pas trop de lingettes. On achetait ça, papier de toilette à deux, parce que là, c'était pas juste, là. Non, parce que toi, t'achetais le petit rude, cheap. Ouais, là, moi, mes fesses étaient fragiles. Je prenais vraiment le doux. Toi, velours. Maxime, là, je sais que t'as un bidet, là, mais quand t'es en tournée... Quand j'étais jeune, je chiffonnais, mais maintenant, je plie. Mmh. OK, intéressant. Ah, tu vois, les deux, eh bien, j'ai les statistiques, chers amis. Habituellement préféré chez les hommes, cette technique demande de plier soigneusement les feuilles. Bien que cette majorité soit grandement influencée par la population masculine, 54% des gens font ça. 54% des gens plient. Chiffonner. La technique consiste à presser le papier hygiénique en une boule peu serrée avant de s'essuyer. Mm. Les adeptes de chiffonnage, c'est 26% de la population. Et c'est plus courant chez les femmes, semble-t-il, selon mes recherches. Elles se chiffonnent. Où t'allais avec ça? Je peux s'arrêter en chemin. Je m'en allais dire, elles se chiffonnent la moule. C'est sûr. Finalement, ça va juste être ça, l'émission. On va aller vers une heure de chronique. On a quasiment la moitié. J'ai quelqu'un, Simon Fitzbay, dans le chat, qui dit « Si tu vas aux toilettes avec un drink, t'as un bidet portatif. »
Intéressant. Je trouve ça très créatif. Un petit vodka soda. Ça désinfecte. Oui, à la maison, d'ailleurs, on lit vos commentaires hein, si vous avez de quoi ajouter sur ce sujet. Un petit tampon imbibé d'alcool. Voilà. Et en terminant, enrouler le papier autour de... Non, en terminant ce point-là. Oh. Enrouler le papier autour de la main, c'est 9 % des gens seulement. Donc, Mathieu, tu es dans une minorité. Là. Hein? J'enroule pas le papier autour de ma main. T'as pas dit ça, je le dis. Ben, moi, honnêtement, je fais ça, mais après, j'enlève ma main, donc il est plié. Ouais, je sais pas qu'est-ce qu'on veut dire par là, honnêtement. Mais eux, là, ils se rentrent un gant, la main avec... Non, c'est un gant. Ils enroulent le papier autour de leur main. Ils forment ici un gant rudimentaire. Ben non, parce que là, il y a la moitié qui sert à rien. Mais peut-être qu'ils qu'il le replient après, ben qu'ils vont aller-retour. Ou vont dans l'autre sens. Non, j'avoue que... En plus, quand t'as un carré, c'est vraiment impossible de faire ça. Tu pourrais enrober un doigt. Oui, t'as fait un gant très rudimentaire, un doigt. Un gant de doigt. Est-ce que, sois franc, là, quand t'es allé à un carré, est-ce qu'il est resté... Est-ce qu'il est resté pris entre les fesses, puis là, il a fallu que tu ailles tirer dessus. Oui, un peu. Bon, c'est ça. Non, ça n'a pas été facile. Là. C'est ça. Oui. Je suis en train de regagner tranquillement. Non, il y a vrai que le quota brun-blanc du papier à la fin, là. Le ratio. Je pense qu'on est fatigué. Est-ce que c'est le pire épisode? Ben moi, j'adore ça, en tout cas. J'ai 7h22. Alors voilà. Dans le chat, vous nous direz si c'est le pire épisode. Ben non, c'est pas le pire épisode. Ensuite de ça, donc, est-ce que vous mouillez le papier? Non, ben ça, on a un peu fait le tour de ben, ça. Ben, à cette heure, oui, je le fais. Mais j'avais pas pensé à parce que je m'ennuie trop de mon bidet. Toi, tu mouilles le papier. Mathieu, tu mouilles le papier. Est-ce que tu mouilles le papier, Nicolas? Je faisais des lingettes. Mais là, j'en ai trop pris. Mais mouiller le papier, c'est vraiment pas bête. Je vais essayer ça. Toi, Joe, quand tu te torches. Ah, mêle pas Joe à ça. C'est le mort, là, le pas! Ça, c'est intense! Il crache, c'est intense! Il n'a même pas eu besoin du carré! Ah, je pensais qu'il crachait sur le papier! On le sait pas! Peut-être, oui! Est-ce que vous vous torchez de l'avant vers l'arrière ou de l'arrière vers l'avant? Mais oui, faut. C'est primordial, effectivement, les amis. Surtout chez les femmes. Oui, effectivement. Bien que le choix de l'un ou l'autre peut sembler sans importance, il faut prendre d'autres éléments en considération. Et il me manque un bout à la phrase. Mais en tout cas, il faut le faire de l'avant à l'arrière. Elle n'a pas bien été sur le copier-coller. Oui, c'est ça. Parce que sinon, il y a un problème, ça peut causer des problèmes de santé si on ne fait pas correctement. Tu penses que les balls... Oui, ben ça, les balls. Tu as tes balls pleines de marde. Pourquoi tu irais par là? Tu as des brown balls. Ensuite de ça... Ça finit quand, ça? Ouais. Combien de fois vous vous essuyez? Ben, tant qu'il faut, là, Eh bien, effectivement, il n'y a pas de règle absolue sur le nombre de fois qu'il faut s'essuyer. Mais étant donné que chaque selle est différente. Est-ce qu'il en parle quand ça prend vraiment beaucoup de temps? Genre? Fait que, tu sais, quand ça finit plus, là. Fait que, tu sais, des fois, ça peut prendre un carré, des fois, ça peut prendre un rouleau. Tu sais, c'est correct. Est-ce que vous caressez ou vous frottez? De quoi tu parles? De quoi tu parles, là, caresser? Eh bien, il faut y aller doucement. J'allais trop fort avant. Parce que vos parties intimes sont délicates. Alors, il ne faut pas utiliser trop de force et ne pas frotter. Il faut caresser. Est-ce que pour toi, l'anus rentre dans les parties intimes? Ben, je pense qu'on parle du sexe. Oui, mais, oui c'est une partie intime. C'est vrai que c'est intime. On peut avoir du fun avec le trou de cul, c'est sûr. Est-ce que vous torchez debout ou assis? Quand j'étais petit, je le faisais debout, mais... T'étais blond, comme les blés. Ben, tu vois, moi, c'était un problème, je me levais trop. Des bébés blonds, visiteurs. Moi, c'est drôle, je pensais même pas... Tu vois, quand je dis que c'est des choses de l'enfance qu'on traîne toute notre vie puis qu'on se pose pas la question, je m'étais jamais posé cette question-là. Moi, je l'ai toujours fait assis, puis ça me paraissait absurde de le faire debout. Je suis comme, non, il y a de la crotte qui te pousse les cuisses. Moi, c'était que, tu sais, quand t'es vraiment jeune, c'est ta mère qui vient t'essuyer, puis là, nous autres, on se levait, puis on se penchait, puis là, on sortait le trou de cul, puis... Oui. Peux-tu nous le montrer? Je comprends pas l'image. Je peux bien, là. Ben oui, vas-y. Mais essaie tout devant la caméra, Maxime. Fait que là... On se mettait de main. Ouais, c'est okay, ça. OK, je comprends. Ma mère, elle arrivait. Marielle, on la salue. Salut, Marielle, shout-out. Là, j'étais avec mon cousin François. Puis là, Est-ce que François... Ton cousin François, il était là. Est-ce que François était tout le temps là? Bon. Non. Eh bien, à la base, c'est une préférence personnelle. Chaque option représente ses avantages. La position assise permet de maintenir l'écartement des fesses, ce qui évite d'en étendre partout. Ouais. C'est ça. L'accès à la région à nettoyer est aussi plus facile. La position debout, quant à elle, permet de garder les mains plus loin de la cuvette, particulièrement important dans les toilettes publiques, parce qu'ils sont moins salubres, effectivement. Et il y a moins de risques de toucher une fesse ou une cuisse avec du papier hygiénique souillé en le ramenant vers l'avant pour une inspection visuelle. Voilà. Donc, quand on check le papier... Oui, il faut regarder. C'était ça. Il ne faut pas se torcher dans le noir. En terminant pour de vrai... Est-ce que les hommes devraient s'essuyer après avoir fait pipi? Ben oui. Ben oui, le bout de la queue. Ah oui.
Ben, ah. Il pète pas le visage. Là, ça, ça, c'est un carreau. Ouais, ça, oui. Mais ça, ça j'ai pas l'impression, non, parce que sinon, le papier de toilette, il peut coller, puis des ouais, petits colle, morceaux, hein, puis ça, après ça, ces petits morceaux-là peuvent rentrer, puis ça fait comme... Vas-y doucement, Nicolas. Mais c'est parce que ça se dissout dans l'eau, hein, ce papier-là. Elle fait que Linda est exposée avec dans ce contexte-là, j'utilise la technique du chiffonnage, par exemple. Un carreau que je ramasse en... Ah, intéressant. Linda est exposée avec l'enfant. J'espère que Joe a bien vu les images d'origami de papier de toilette, là. Oui, on les a bien vus, parfait. Eh bien, bien que la plupart des hommes se contentent de secouer après avoir fait pipi, un petit essuyage après est une bonne idée pour s'assurer qu'il ne reste pas d'urine. Le geste permet de garder l'urètre et les sous-vêtements propres. Mm. Alors voilà. Alors c'était ma chronique là-dessus. Puis je terminerai avec un petit épilogue. Ah, il n'y a pas un épilogue. Oui, il y a un épilogue à ça. La morale. Ben, c'est que... L'idée m'est venue à la base d'une discussion, d'une discussion qu'on avait eue. Maxime, moi et Alex Lévesque en tournée pendant Concon, on était dans la loge, puis tu sais, on passe comme 4 heures dans la loge, là, qu'on arrive trop tôt, je sais pas quoi, où ça donne. Puis là, tu sais, si on parle, c'est long. Puis là, mené Alex Lévesque, il revient des toilettes, puis je pense, mais là, je suis plus certain, mais je pense que c'est Maxime qui demande « Tu t'es torché comment? » Je n'ai pas demandé ça. Ben non, ben on niaisait. Là. Puis là, Alex, il a comme vraiment pris la question super au sérieux, puis comme répondu super sérieusement, comme « Ah ben moi, je plie le papier en deux. » J'ai jamais demandé ça. Fait que tu sais, je me suis dit... J'ai jamais demandé ça à Alex. Il n'est pas au courant, mais je me suis dit, j'ai regardé, il n'est pas en show à soir. Fait qu'on va l'appeler. Là, il sait-tu? Ben, il n'est pas en show, en tout cas. OK, bon, regarde. L'autre fois, ça avait bien été quand tu l'as appelé. « Account does not have a plan. » Or your balance is insufficient for this call. Top up your account balance by logging in. Parce là, ça existe encore le 418. Ouais, c'est ça. C'est parce que la dernière fois, tu sais, ça n'a pas marché. Puis on t'avait expliqué que c'était à cause que c'était un longue distance. Donc, c'est pas 514. Mais ça existe encore les longues distances. Ben, apparemment. Ouais. Ça, c'est vraiment un gars qui se suit avec un carré. Ouais. Bien préparé. Ouais. C'est un nouveau. Il regarde. C'est un nouveau sel, puis je pense qu'il n'y a pas ben de non, trous. Ben non, il n'y a plus des trous. C'est ça, l'affaire. C'est pour ça qu'on a un vieux sel. Ben, il faudrait que lui t'appelle. Que lui, ouais, lui m'appelle? OK, je vais le texter, voir. Ah, mais il faut qu'il appelle ce numéro-là. Oui. C'est quoi le numéro? Ben, ça, c'est des affaires qu'il fallait que tu prépares avant. Ben oui, mais je ne savais pas qu'il n'y ait pas de trous sur mon sel. Je l'ai changé cette semaine. Sacrement de calice. Faire une chronique en attendant. Mettons, Mathieu. Non, ben non, c'est bien mieux d'attendre dans le silence. Mathieu, sais-tu par cœur le numéro de téléphone? Je vais checker, là. C'est pas bien long. Ah, hein? Moi, je l'ai, ça, toi. OK, envoie-moi le. Attends un peu, faut que je le trouve. Ben, on peut le donner, là, c'est pas grave. Les gens vont pouvoir appeler en plus. Ça fait quoi, ça? OK, je l'ai ici. Je l'ai en quelque part, là. Ah? Hein? Ah, ouais. Aïe, oh. Aïe. Joe, là, il a tous les fils intégrés dans le corps. OK. Bon, fait que là, tu vas appeler lui. Là, prépare-toi à ajouter ton volume, par exemple. Tu veux-tu mettre son volume à peu près à moitié? À peu près à moitié, ton volume. Il s'agit d'un appel interurbain. Baisse le son. Oh boy. Oui, il s'agit d'un appel interurbain. Je sais pas. Bon, OK. Là, on finit ça, là. Ça fait une demi-heure qu'on est là-dessus. Calisse. C'était comme un sauce sang de Julien. On est obligé. Ben, peut-être qu'il répondra pas aussi. Oui, allô? Hé, la montre! Yo, ça va? Ouais, toi, c'est vrai, c'est Pissed! Ouais, ça va? Ouais, je te dérange-tu? J'ai l'air de te déranger. Non. Ok. Ben, gars, je prendrai pas beaucoup de ton temps. En fait, c'est parce que je viens de faire une chronique. Ben, tu m'as inspiré. Tu te souviens en tournée, quand on était en tournée dans Concon, on parlait d'un loge, puis on parlait mener de comment se torcher. T'étais revenu de la toilette, puis Maxime t'a demandé comment se torcher. J'ai jamais demandé ça. Puis, t'es revenu de la toilette. Oh, Big Max! Yeah, Alex, ça va, mon chum? Yeah, ça va, toi? Ben oui, là, on peut pas en parler, mais on a eu des crises de bonnes nouvelles, toi puis moi, cette semaine. Ben oui, Chris, j'étais content d'être en Chris. Les deux frères. Non, ben oui. Les gars, là. Ouais. les trois frères, hein, hein, Alex? Non, les deux frères. Parce que... Fait que là, c'est ça, Alex, fait que là, Maxime t'a demandé comment tu t'étais torché. Puis là, t'avais comme répondu super sérieusement, tu sais. Puis là, j'avais trouvé ça drôle, ça m'avait inspiré de faire une chronique sur comment se torcher. T'en rappelles-tu? Le temps passe. OK. Puis tu penses faire une chronique là-dessus? Mais là, ça non, fait une demi-heure. Non, je l'ai faite, ça fait une demi-heure, je parle de ça. Ça fait une demi-heure. Puis t'as fait ça à Décideret? Ouais. OK. Hey, Alex! Ben, ça... Alex, c'est Big Max qui parle. Hey, yes! Alex, tu te souviens-tu la fois où on était arrêté à Fromagerie des Basques, puis Julien, il s'était essuyé avec un carré? Ben oui, le carré, est-ce-tu? Hey!
Le cul plein de marde, on avait assez ri. Puis là, tu te souviens-tu que moi, j'arrêtais c'est pas de dire... C'est sûr qu'il y avait le cul encore plein de marde pendant des kilomètres et des kilomètres. Exact. Puis moi, je disais, on peut s'arrêter pour que tu te torches comme faux. Puis il disait, ouais. Non, pas besoin, il pas besoin. Il a tenu son bout. Exact. Non, mais en tout cas... C'est le bout de la marde. Non, mais parle pas, ouais. Mais gars, je veux pas prendre trop de ton temps, là. Fait que, ben, je voulais juste te dire que ça m'avait inspiré, là. Tu l'as appelé pour ça? Ben, je... Non, mais dans ça, tu niaises-tu? Parce que c'est sûr, c'était pas... Je veux dire, je vais pas t'insulter, mais c'est sûr, c'était pas si bon que ça. Comme, tu sais, je veux dire, c'est comme... C'est vraiment un sujet, tu sais, tu parles entre amis d'un loge, mais... Si tu parles de comment se torcher dans une émission de radio, je sais pas à quel point que c'est pertinent. Non, mais c'est drôle. Hey, je suis content de t'avoir parlé, Alex! Ouais, Max, toi, t'as-tu trouvé ça drôle, la chronique de... Non, pas vraiment. Julien? Pas vraiment. C'était ben, long. Bon, on n'a plus le temps, Alex, merci beaucoup! Salut, Alex! Ouais, c'est ça. Okay, right. On n'a plus le temps. Ben, il a trouvé ça bien drôle qu'il nous dit. Il m'a dit qu'il trouvait ça bien drôle, il vient de me le texter. C'est une belle épilogue. Alors voilà, c'était ma chronique sur comment qu'on se torche. Alors, on va commencer avec Maxime. Oui. Aïe, aïe. C'est la chronique à Maxos. J'ai trouvé ça intéressant. Bon, donc, toi, Nicolas, commence pas. On est-tu obligé de le faire, ce podcast-là? On n'est pas obligé, certain. Ben, moi, ça me fait une petite rentrée d'argent, là. Je vous avouerai que je peux pas cracher là-dessus. Ah, ouais. Contrairement à Joe sur son papier de toilette. Bon. Ben non, mais... parle-nous de quelque chose de sérieux. Oui, je suis content qu'on soit les old-timers ici parce que ça va concerner les trois quarts des personnes autour de la table. Les gars, on perd nos cheveux. Ouais. Vous le savez. Ouais. Et je pensais vraiment pas énerver à ce point-là dans ma vie, mais on dirait que là, j'ai envie de remédier à ça un peu. C'est-à-dire? Pas tant pour image, c'est juste que dans le fond de la tête, j'ai bien des genre de gros accrocordons puis des gros grains de beauté. Puis là, je me dis que si je continue à perdre mes cheveux, je vais avoir le crâne dégueulasse puis il va falloir que je fasse enlever ça. C'est quoi des accrocordons? On va t'appeler... Hey, non, mais regarde ça. Ben, des gens de grosses titines. Regarde tes titines puis on va t'appeler Pépite. Moi, je pense que Maxime va devenir Pépite. Ah ben là, peut-être pas là. Un petit morceau sur la tête. Mais bref, brûler les accrocordons. Hey, Pépite! Je veux remédier à la situation. Puis... j'ai écouté le film Opération Beurre de Peanut il y a quelques temps. Ah, et bon, j'ai pris la recette magique en note qui ressemble beaucoup à la recette du terrible jeune magicien sorcier. Tu vas-tu la faire là? Ben, pour commencer, je vais vous la dire. Alors, c'est premièrement, il vous faut une bonne vieille banane. Puis là, après chaque ingrédient, il faut que vous dites place-la ou place-le ou place-les sur ma tête. Okay? Donc, une bonne vieille banane. Place-la sur ma tête. 5 mouches noires. Place-la sur ma tête. 1 œuf pourri. Place-la sur ma tête. 3 feuilles de réglisse. Place-la sur ma tête. Une poignée de litière à chat. Place-la sur ma tête. 3 cannes en sucre. Place-la sur ma tête. 3 gros biscuits secs. Place-la sur ma tête. 9 cuillerées de terre, un verre d'eau minérale et une bonne cuillerée de beurre de peanut. Et là, Mathieu, tu me vois venir, Mathieu, j'ai déjà pris à la. T'as fait ton prémix! J'accepte le prémix. Là, tu vas te coller, c'est ça, dans le fond de la tête. Tu nous assures, Maxime, tu nous assures que c'est j'ai tous les ingrédients. Julien, peux-tu valider? Pardon? Peux-tu valider, Julien, en regardant vite, ça a-tu l'air de ça? Ça a l'air de ça, oui. T'es un estimateur, Bernatché. Alors là, Julien, je vais avoir besoin de toi. D'accord. J'ai besoin que tu m'appliques. Bien sûr. J'en ai un pinceau, que tu m'appliques un peu de la solution secrète sur mon petit trou pas de cheveux. T'en veux-tu sur le bat aussi? Non. Puis là, bien important que ça tombe. Mets-toi-en pas ses doigts parce que ça aura des cheveux qui vont pousser ses doigts. Là, niaise pas. Parce que... Non, va faire pour de vrai. Ce qui se passe si c'est vrai, là. Hop, OK, mets-moi-en juste un peu, là, badigeonne mon petit rond pas de cheveux. Juste se brasser un peu. Hein? Oui, brasse comme faut. Bien malaxé. Et là, là. Aïe, aïe. Ça pousse. Là, tu vas garder ça tout le show? Combien de temps tu gardes ça après? Le temps que ça pousse. Mais là, après, ça fait pas des cheveux qui permettent de peindre des trucs qui viennent vrais. Oh, mon Dieu! Oh! Ça vient pas beaucoup pour... Oh! Max, peux-tu pencher un petit peu plus par en avant? On va mettre un peu, là.
Mais il applique ça avec ben là, attention. T'en as-tu mis encore, assez, tabarnak? Encore, je pense qu'il faut que ça couvre toute la zone. Ouais, ben... Un petit peu à gauche, ouais. En voulant ouais. pas en ah, voilà, coup, voilà. C'est un peu plus long, je m'excuse. Ah, ça, je pense pas pire. Ah, t'as bien. Moi, j'en, okay. Moi, j'en mettrais plus. Ah, c'est bien impliqué. Non, mais là, c'est assez, là, faut pas... Ben, Maxime, c'est peut-être mon pire ennemi, mais je respecte... Et voilà. Je respecte sa chronique. Bon, parfait. Et là, ben, on va regarder, voir... Puis dans le film, j'ai pas vu le film. Est-ce que ça agit quand même et rapidement? Tabarnak. Parce que dans le film, il pense qu'il a pas mis assez de beurre de peanut, fait qu'il en remet une deuxième cuillère. Non! Ouais, c'est mais ça. Là, c'est pas risqué. Hein? Avec tout ce qu'il y a. Ben moi, j'ai mis exactement les bons ingrédients. Non, mais tu sais ce que ça fait les cheveux après? Oui, mais lui, c'est parce qu'il a mis trop de beurre de peanut. Ouais, mais là, l'autre, il va venir te voler tes cheveux pour faire des pinceaux magiques qui ouais, peignent des. Il viendra, tabarnak. Moi, je ouais, il peut se défendre. Joe va y casser ailleurs. Puis il y a des Joe, fantômes. Mort l'alpha. Joe ouais. va y cracher dans Joe, le. Joe, il va y cracher dans le cul. Il va y cracher dans la main, puis il va le slap. OK. Fait qu'on attend. On et attend. Ben, c'est ça sent le feeling. Ça sent le beurre de peanut en maudit. C'est ça que j'ai à dire pour l'instant. Je okay. sens un peu que... Ça travaille-tu? Tu sens que les follicules qu'on fasse? On laisse ça aller? Ah oui, le salé passe à une autre chronique. OK, d'accord. Donc, tu nous reviens là-dessus sporadiquement dans oui, absolument. Oui. Merci beaucoup, Maxime. Sur le terrain, toujours. Wow. On va continuer avec Mathieu. OK. La chronique. Ben, hey, moi, j'ai plus d'eau, je vais aller me chercher ben, un verre d'eau. Va chercher de l'eau, Maxime. D'accord. Il y a quelqu'un, Simon Fitzbé, qui suggère que quelqu'un s'en mette sur les gosses. Oui, il y a une alerte Amber, tout le monde. On arrête-tu le show pour aller régler ça? Ou, Non, on fait pas de blague là-dessus, là. J'ai juste dit, on arrête-tu chaud pour aller régler ça? Non, relax. D'accord. J'ai pas dit, genre, aller trouver le bébé, puis après ça. Bon, d'accord. Tu vois ce que tu m'amènes à faire? Non, mais tu vois, j'ai quelques sujets sacrés. Tout ça parce que la marde n'en fait pas partie. Tu fais pas confiance à mon jugement. Oui. D'ailleurs, King Nasty est à l'écoute encore cette semaine. Je veux juste le saluer. Il doit bien l'aimer le show. Ah, il doit trouver ça bon. Oui. Bon. Tout d'abord, parenthèse, il va y avoir fort probablement, je ne sais pas si vous avez passé un combat MMA entre Elon Musk et Mark Zuckerberg. Je ne sais pas si vous avez passé ça. Mais non, ça m'a empêché. On ne sait pas encore si c'est une blague, mais semble-t-il que non. Ben, c'est que... ça s'enligne. Puis tu sais, la mère d'Elon Musk ne veut pas. C'est ça. Ah, OK. Mais là, GSP va entraîner Elon Musk. Peut-être que ça va convaincre la mère. Puis Zuckerberg a déjà un entraînement de Jiu-Jitsu. Il a gagné une compétition là, récemment. Bon, je pense qu'il a gagné. Hein? Je pense qu'il a gagné une compétition de la même manière que Steven Seagal gagne des compétitions de Aikido. Là. Fait que je pense que c'est peut-être un peu arrangé quand Mark Zuckerberg gagne dans un sport de combat. Ça fait très l'air Trump. Oui, ouais, mais c'est drôle. Même dans Friends, il y avait un personnage qui voulait sortir avec Monica puis qui était milliardaire puis il voulait être un champion de MMA. Ben, j'imagine que quand tu as conquis les choses avec ton intellect, c'est ça qu'il disait, tu as essayé de montrer que tu es comme meilleur dans tous les domaines. Oh shit! Qu'est-ce qu'il y a? Oh là là. Ben Max, qu'est-ce qu'il y a? Ça savait, tu te rends compte de rien? Le sorcier va s'en venir. Hey Max, touche-toi le dessus de la tête. Hein, ça a poussé! Ça a poussé! Qu'est-ce qu'il y a? Ça me fait youpi! J'ai des cheveux! T'es-tu content, Maxime? Oui, youpi, j'ai des cheveux! C'est la coupe à Jerry. C'est le plus beau jour de ma vie! Youpi! Les plus beaux, c'est mis. C'est pas des super beaux cheveux, par contre. Hein? Ils sont pas super beaux, les cheveux. Ouais, on dirait les cheveux à Julien. Bon. Ben, Mathieu, on écoute ta chronique. Oui, OK. C'est fait ça encore. Hier, je suis allé voir la comédie musicale Hair, produite par Juste pour rire. Hair, hey! Puis, moi, j'en ai des cheveux à cette heure. Oui, c'est vrai. Puis c'était, ben, c'est ça, tout est lié. Mais là, avant l'émission, là, tu t'es emporté sur Hair. Là, non, mais peur, on a vécu une panne de courant à peu près à 10 minutes de la fin du show. Puis juste avant, il y avait une panne de courant dans le show. Fait que là, il y a un petit moment de confusion. Oh, puis les acteurs sont revenus sur scène pour chanter la tune Let the Sunshine qui close le show à cappella. Tout ça, ça a fait un beau moment. Puis, ça m'a rappelé que dans les demandes spéciales, parce qu'une fois par semaine, pour les membres Patreon, on répond à une suggestion d'un auditeur. Oh. Ça m'a rappelé qu'il y avait une suggestion de Disturbrick qui date du 12 mars dernier. Disturbrick? Oui, Disturbrick. J'ai vraiment des beaux cheveux. Qui fait le son de Papier Julien, je pense. OK. C'est la France. OK. Je pense que c'est lui, du moins. Oui, c'est lui, je pense. Il avait suggéré, donc, le 12 mars, les thèmes de musical les plus absurdes qui ont existé. Puis, donc, en allant voir la comédie musicale, hier, ça m'a rappelé ça. Et Rick,
Mon sacrement, je l'ai fait ta chronique à soir. Right, d'ailleurs, n'hésitez pas à aller sur le Discord ou par n'importe quelle manière de nous rejoindre pour nous faire des suggestions. Oui. Que vous soyez membre Patreon ou non, là, on va piger un peu partout. On priorise les membres Patreon, évidemment. Mais allez-y de vos suggestions. On essaie d'impliquer de plus en plus là, les gens là, dans l'engagement. Nos affaires. Là, l'engagement, comme un cheveu, ça soupe. Oui, est-ce que ça pique? Est-ce que ça... Hey, ça pousse. Regarde, ça pousse à vue d'œil. Heureusement que tu n'en as pas une sur ta main. Hein? Hey, on va t'en mettre sur la queue. Ouais, c'est non. Ben, oui, je veux pas être comme Mathieu. On va t'en mettre sur le trou de queue. Ouais, moi, ben, peut-être c'est ça qui est arrivé. Ils vont t'en mettre plein de trous de queue. Tu ne pourras pas te toucher avec juste un carreau, toi. Donc, parce que je voudrais vraiment pas manquer la chronique à Nicolas. Oui, oui, non, c'est sûr. Donc, j'ai décidé de faire cette chronique-là, mais comme j'ai pas le temps de faire des recherches, parce qu'on a des vies, nous autres, on est occupés, je me dis, il y a toujours un article BuzzFeed là, qui a fait la job à notre place. Puis, évidemment, c'était le cas encore une fois. Fait que voici mon résumé d'un article BuzzFeed. J'ai pris le top 5 de ce que je considérais être les comédies musicales les plus le fun slash weird. Youpi! Avant, je vais faire une mention à It's Always Sunny in Philadelphia, sa comédie musicale Dayman, qui est un grand classique là, pour les fans de la série. Vous chanterez la toune dans votre tête. Puis aussi, l'autre... Dans un petit extrait. OK. Dayman! Fighter of the night, man! Champion of the sun! You're a master of karate and friendship for everyone! Dayman! Hey Mathieu, très ta beau. Chanson, elle est au poil. OK. Puis. T'as-tu rentré dans la tête aussi? Ouais, je pense que oui. Pas si il va me sortir par les yeux. Et deuxième mention spéciale à la comédie musicale de Evil Dead qu'on a vue, Maxime et moi, en 2004, ici même à Montréal. C'est une pièce, une parodie qui vient de Toronto, qui était écœurante, qui avait été présentée à Just for Laugh en 2004. Puis j'ai découvert que cette pièce-là roulait encore 20 ans plus tard. Fait que bravo, les amis! Ah bon? Mais là, on va aller dans le plus weird. Premièrement, une comédie musicale sur Human Centipede. Joe, il y a une première photo qu'on peut voir ici de la production qui n'est pas sans rappeler le numéro des Pic-Bois. On l'avait fait. Les harmonies doivent être bizarres. Hein? Ben, c'est ça qui arrive. Évidemment, Maxime était le bout au bout là, qui mange. Fallait qu'on voit sa face. Il a mis le plus beau en avant. Donc ça a été fait en 2011 par le Emerson College de Boston, par la troupe Chocolate Cake City. Et à Boston, c'est cool. Il y a une super belle vie théâtrale. Là, c'est une des seules places en Amérique du Nord où il n'y a pas de réseau de télévision majeur, mais que le théâtre survit. La ville de Québec en est un autre exemple. Il n'y a pas beaucoup de villes où le théâtre a une vie foisonnante comme à Boston. C'est une comédie Boston. Musicale, donc, qui est disponible sur YouTube en entier. Et d'ailleurs, ce sera Googlez contenu... Human Centipede. Non, mais non, googlez pas, parce que ça va être mon contenu Patreon de samedi. On va écouter la comédie musicale. Ça dure à peu près 55 minutes. Puis ça a l'air vraiment bon. Tu sais, c'est un show qu'on aurait pu retrouver à ZooFest ou au Fringe. C'est une parodie de comédie musicale à partir de ça. Les tunes ont l'air, tu sais, rock, puis entraînante, puis tout. Ça a l'air vraiment J'ai une question, Mathieu. Est-ce qu'un Human Centipede, mettons, de trois personnes, peut prendre trois carreaux? De ben, un en fait. Ben, oui, on a besoin on a besoin seulement d'un seul carreau, techniquement, suite à la chronique de Julien. On n'aurait pas pu répondre à cette question-là sans la chronique de Julien. Si j'étais prisonnier d'un Human Centipede, ça ne me dérangerait pas de chier à terre comme pour protester. Ah ouais, ce serait ça ton moyen de. Oui. Non, ça brasse. Ben, tu vas me découdre la bouche du trou de cul de l'autre parce que je suis à terre, moi, là. Il ferait. Fait que, voilà, j'en dis pas plus sur la comédie musicale de Human Centipede. J'invite les gens, donc, samedi, je vais faire comme d'habitude, je vais faire un petit sondage pour savoir à quelle heure vous voulez que je parte ça, cette affaire-là. Puis on va regarder ça ensemble. Je me dis peut-être que ça peut être le fun en déjeunant. Tu sais, ça me semble que c'est quelque chose qui s'écoute bien le matin. Fait que voilà, Human Centipede, donc c'était la première comédie musicale un peu douteuse. Et on reste dans le douteux avec un musical qui restait trois jours à Broadway avant d'être annulé parce que c'était trop. Tyros? Parce que c'était trop dégueulasse. On l'a fait trois fois. C'est l'équivalent. Mais c'était un peu un musical en plus, il y a des chansons. Y avait-tu des chansons? Il y a des chansons. Pas vraiment, non, il n'y a pas de chansons. Non. Ben, je pense pas qu'il y avait de chance. Pas avant que je parte en bixi. Okay. Pas avant que je quitte la salle. Ben, il y avait quatre représentations, mais on l'a fait trois fois. Ben, un peu comme Raggedy Ann, qui devait avoir comme 30 représentations. Finalement, ils en ont fait trois. Ça s'appelait Raggedy Ann. En français, c'est des poupées de chiffon. Là. C'est l'histoire. Tenez-vous bien. Et là, on voit l'image. Là, c'est vraiment creepy. Là. C'est une madame adulte déguisée en poupée de chiffon. Et c'est l'histoire d'une jeune fille mourante qui va voir un docteur à New York. Puis
le New York Times a décrit ça comme une espèce de rêve fiévreux qui parle de mort, de suicide, de sexe et de génocide. Voilà. Fait que les familles, les parents arrivaient là avec, en famille, puis tu sais, pensaient que ça allait être quelque chose de cute pour les enfants. Wow. Finalement, ça, c'était des sujets beaucoup trop trash et mal exploités. Et formidable, ça aussi, ça se trouve sur YouTube. Ouais. Ça, on ne l'écoutera pas, par exemple, ça a l'air de ça dure deux heures, là, c'est en deux actes d'une heure, puis ça a l'air insupportable. Ah. Mais là, c'est intriguant. Je vais quand même sûrement l'écouter un jour, mais je ne veux pas faire subir ça à nos amis là, à la maison. On va écouter quelque chose de bon pour vrai cette fois-là, plutôt que d'écouter quelque chose d'ironique samedi prochain. Ben moi, j'écoutais Postcard from Canada. j'ai hâte de l'écouter. C'est de la Slow TV, de Slow TV. Ah, je trouve que c'est un autre level. Ensuite, troisième pire show de Broadway. En fait, on dit que c'est peut-être, selon plusieurs, le pire show qui a jamais été présenté sur Broadway. C'est un meurtre et mystère intitulé Moose Murder. Et on voit d'ailleurs le personnage principal, qui est un homme qui se cache derrière une tête de chevreuil et d'orignal et qui tue des gens à la hache. Le synopsis, donc, c'est un meurtre dans une cabane dans les Adirondacks, pardon, et on cherche à trouver qui est le meurtrier. Le New York Times, c'est d'actualité, a comparé ça à survivre au Titanic. Réussir à passer à travers ce show-là indemne, c'est comme réussir à survivre. Non, mais c'est un drôle de parallèle. C'est moins facile qu'il y en a l'air. Oui, effectivement. Et dans le show, c'est un addict. On retrouve un addict à la drogue qui veut coucher avec sa mère. Une jeune fille qui fait de la claquette à des moments inopportuns. Un quadriplégique momifié qui kick un homme déguisé en orignal dans les gosses. Alors, c'est les trois choses. Quadriplégique. Ben, regarde, la magie du théâtre. Vraiment, il y a de l'incohérence dans ce spectacle-là. Ça tient pas la route. Ça a l'air que c'est un esti de merde. Puis c'est ça. Il y en a plusieurs qui affirment que c'est le pire musical jamais créé. Et que, mais est-ce que c'était dans cette intention-là? Non, c'est ça qui est drôle. Raggedy Ann et l'autre, ça se voulait intense et sérieux. Mais tu sais, ils disent ça, mais tu sais, je peux pas croire qu'un gars qui se met une tête d'orignal, tu sais, il faut qu'il y ait un niveau à ça, mais on le précisait pas. Quand t'es dedans, t'as pas le recul sur l'œuvre. Ben voilà. Ensuite, dans les. Que c'est vrai. Ouais. On va se déplacer pour les deux dernières dans les années 70, qui nous ont offert, entre autres, en 1971, le musical Let My People Come. Et c'est exactement ce à quoi vous pensez. Ah oui? C'est une comédie musicale ultra-sexu avec des titres de chansons comme Fellatio 101, The Cunnilingus Champion of Company C et la chanson Come in My Mouth. Mais c'est pas sur l'exode des Juifs non plus? Non, c'est vraiment quelque chose de purement sexuel. Ça a été présenté en avant-première à 2-3 reprises, mais ça s'est jamais rendu. Ils ont annulé le show avant la première officielle. Ça n'a jamais débuté sur Broadway, mais ça a existé. Et on dit qu'il y avait très peu d'histoires et beaucoup trop d'interactions avec le public. Fait que, autrement dit, c'est du monde très, très sexué qui s'en vont dans le public. Taponner le monde un peu. Les gens de théâtre, ils aiment ça toucher le monde. Ben, c'est ça qui arrive. On dirait, j'imagine, notre ami Justin. Justin, moi aussi, en le disant. Regardez-moi toucher mes fesses. Filmez pas mes fesses. Et sur YouTube, il n'y a pas la comédie musicale dans son entièreté, mais il y a quelques extraits qui s'y retrouvent, notamment la version de Baltimore qui a été reprise en 1986. Et j'ai trouvé une pub de l'édition de Toronto qui a été faite en 1984. Joe, si tu veux nous faire jouer ça avec le son, s'il te plaît. Let my people come, the Grammy Award nominated hit Broadway musical. Let my people come is the most talked about show in town. It's a celebration of love, says Playboy magazine. Mais ouais, ça a été fait dans les années 70, mais ça n'a jamais vu le jour. Et là, ça a été repris en 1984 à Toronto, en 1986 à Baltimore, en 2013, plus récemment, ça a été repris. Mais les mœurs évoluent, hein. Ben, c'est ça. Puis là, ce qui est weird avec l'extrait qu'on a vu, c'est que c'est des gens des années 80, fait que tu sens vraiment que tous les gens, sans le savoir, tu sais qu'ils sont dans les années 80, mais que ça se passe dans les années 70, pareil, il y a de quoi de bien le fun là-dedans. J'aimerais ça voir la captation intégrale de ça. Je vais faire mes recherches là-dessus. Encore deux minutes, Mathieu. Et la dernière que j'ai à vous présenter s'appelle Via Galactica. J'ai une image en noir et blanc de la production. En noir et blanc, ou comme le Stitch Show, c'est en noir et blanc. Qui a l'air des satellites popettes un peu, là. Il y a quelque chose de ça. C'est s'appelle Via Galactica, donc de 1972, et le tagline, c'est « A Musical of the Future ».
future. Fait que c'est toujours le fun de voir quelque chose fait dans le passé qui parle du futur. Du le futur du passé. Qui est le présent. C'est dans le show, il y avait plusieurs trampolines et un décor en balle de ping-pong. Très irresponsable. Et le show a principalement été un désastre à cause des problèmes techniques. Les gens passaient régulièrement à travers les trampolines. Oh. Puis... il restait coincé dans un vaisseau spatial. Ça te choque beaucoup, ça? Ben, j'aimerais pas ça que ça m'arrive. C'est ce qu'il y avait beaucoup d'effets pratiques, puis les effets étaient pas tout à fait au point. Fait que les gens restaient pris. Tu sais, ça me faisait penser à le faux documentaire Spinal Tap, là. Oui. Tu sais, quand les pods, ils rouvent pas, je pense que le show, ça ressemblait à cette prestation-là, pour ceux qui ont le référent. C'est bon, Spinal Tap. Donc, les gens restaient coincés dans les vaisseaux, fait que le show pouvait pas avoir lieu, et souvent, les micros pognaient les fréquences des radios de police. Fait que là, il y avait des sons de radio de police. Les gens étaient complètement dérouté à savoir c'était quoi le rapport de tout ça. Des propos racistes et homophobes. C'est ça, surtout à l'époque. Et l'histoire de ça, c'est des gens qui sont non-conformistes, qui ont été envoyés sur un astéroïde. Ils vivent sur l'astéroïde et ils kidnappent un vidangeur pour le séduire et introduire les gènes du vidangeur donc dans leur bagage génétique. Donc, c'est un scénario complètement coucou banane parce que c'est ça, ils prenaient des gens qui étaient... Je pense que c'est un univers dystopique où tous les gens qui se rebellent étaient envoyés sur un astéroïde, mais il y avait quand même quelqu'un qui passait ramasser les vidanges. Ben, il faut. Ben, évidemment. Fait que, ouais, ça, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup voir. Et ce qui est cool avec toutes ces pièces-là, c'est que sur Broadway, quand les choses se rendent à Broadway ou tout près de Broadway, ben, tous les livrets sont conservés pour le souvenir. Fait que ceux qui n'ont pas de captation, ben, les livrets sont disponibles et achetables. Fait que tout ça existe encore. Fait que il y aurait encore de l'intérêt à voir ces choses-là. Ben, faut garder la mémoire. Hein, quand voilà. Oh, un beau travail d'archive. Ça fait un bon lien vers ma chronique, ça, si on a le temps. J'ai une version réduite. C'est comme un Human Centipede. Oui, nos chroniques sont comme un beau Human Centipede. C'est vrai. Si je chiais dans la bouche, lui, pour contester, il chie à terre. Fait que je suis comme je suis le dernier. C'est ça qui arrive. Toi, Nick, chie à terre. Voilà. Merci beaucoup, Mathieu. Alors, Nicolas, chie à terre, s'il te plaît. On va y aller avec ton... Ça vole pas. On va faire ça. Je vais faire une version réduite, en fait. Parce que je pensais qu'on allait parler. Je vais faire quand même une version plus rapide, puis on verra si j'ai le temps. Savez-vous c'est quoi la mitridatisation? Je veux pas le savoir. Mitridatisation, ça vous dit rien? Non, j'arrive pas à trouver la source des mots. Oui, ben c'est intéressant. Puis c'est que je suis tombé dans un trou de lapin. Et la mitridatisation, ça consiste à ingérer des doses croissantes, toujours plus importantes d'un produit qui est toxique, afin de développer une résistance ou une insensibilité. Et ça vient de Mithridate VI, qui était le roi du pont, qui était un royaume. Ouais, il avait conquis tout le tour de la mer Noire. Par exemple, la mer Noire. Abeilles. Ouais. C'est la mer Noire. En plein dans le dernier siècle avant Jésus-Christ. Et ce petit Mithridate-là, on va en parler un petit peu parce qu'il était fasciné par le poison, tout ça, parce que bon, sa mère, il pensait qu'elle voulait l'empoisonner. Fait que lui, poison, dès qu'il était tout petit, il se faisait des petites pilules avec du poison puis l'antidote qu'il mêlait avec du miel. Ouais, puis il mangeait ça pour se builder une insensibilité. Comme Rasputine. Ça l'a tué après deux. Il faisait plein d'expériences avec plein de ses hommes pour voir quel poison faisait quel effet. Expérience avec des hommes. Oui. Puis ses hommes. Quel genre d'expérience? L'homme est un poison pour l'homme. Empoisonner, puis ils mettent des antidotes pour voir qu'est-ce que ça donnait. Donc lui, c'était quand même... C'est un personnage historique fascinant parce qu'il était en immense forme physique. Il était un grand tacticien et stratège. Il me ressemblait. Hein, parce qu'il a quand même conquis l'ensemble du pourtour de la mer Noire durant l'Empire romain. Il a conquis l'ensemble du pourtour. C'est intéressant, il y avait une immense connaissance du langage et de la culture. Il se faisait passer pour le descendant d'Alexandre le Grand pour avoir le support des Grecs. Il se faisait passer pour le descendant de Cyrus le Grand pour avoir le support des Perses. Ouais, pas fort. Il arrivait à voir tout ça ensemble, puis ça a attiré l'attention de Rome, évidemment, parce qu'ils ont vu ce gros empire-là sur le pourtour. Mais il était tannant, et c'est ça qui est intéressant. Oh! C'est tannant. Okay, un peu comme Mathieu. Oui. Regarde. Déjà, en partant, là, ce qu'il a mis en base, il y a eu trois guerres avec lui, avec Mithridate puis Rome. Et la première guerre, ce qu'il a mis en branle, c'est qu'il a convaincu toute une bande Bande? Oui, de toute une région, en fait. Il me semble que c'était la région... Bon, c'est sans importance. Turque, j'ai envie de dire. Turque. Il a réussi à convaincre toutes les grandes villes de cette région-là. Qu'avec la brosse... Hé, les gars, il reste presque plus de temps, là. Comment? Laisse parler, Nicolas. Alors, on laisse parler... Reste presque plus de temps. On laisse parler une minute. Vas-y.
La minute est débutée. Là. Va chier, Julien, va chier. Vas-y, Nicolas, on t'écoute. Va chier, là, Yéza, t'as tout ton temps. Yéza, convaincu de tout faire, « Hey, à la même journée, on tue des Romains. Okay. On tue des Romains en même temps. » Et donc, ça a été la journée, un des plus grandes tueries, génocides de personnes en même temps. La même journée, il y a entre 80 000 et 150 000 Romains. Et tout le monde a participé de toutes les strates sociales. Ils se sont dit, aujourd'hui, on tue un Romain. Ça fait du Romain. Ça fait 300 000 sandales. C'est ça. Ça n'a pas plu aux Romains. Les Romains sont venus en guerre contre eux. Est-ce que Annus le Romain était là? Attends, durant le siège de Eupatoria, les Romains y creusaient un tunnel en dessous d'une fortification pour faire tomber les murs. Qu'est-ce qu'a fait? Le pourtour. Qu'est-ce qu'a fait Mithridate? Je sais pas. Il a tiré des ruches dans les tunnels. Des ruches! Il a tiré des ruches d'abeilles dans les tunnels. Il a leur tiré des flèches empoisonnées. Il a tiré du bitume enflammé à l'intérieur. Tu sais, il était vraiment très original dans ses techniques de guerre. Il était dans ceux qui utilisaient très efficacement les chariots faux. Tu sais, les chariots. Oui, avec les faux sur le côté. Il chopait dans les lignes ennemies. Game of Thrones. Les poisons qu'il utilisait sur ses flèches. Et il en utilisait tellement de variés qu'il n'arrivait jamais à trouver les bons antidotes au bon moment. Les militaires mouraient sur des longues périodes. Et si je vous en parle, en fait, c'est parce que c'est son utilisation du miel qui a été très original. Bon, il a fini par perdre en cours de route, puis il retraitait. Du miel doré, et en du se miel. Sauvant dans les montagnes turques. Dans les montagnes turques, il vient directement. Les Romains, Pompée, parce que c'était quand même contre Pompée. Pompée, il envoyait des troupes. Pompée, c'était pas n'importe qui. Il envoie ça. Et les militaires poursuivent, ils trouvent pas l'armée de Mithridate, mais ils trouvent plein de miel qui avait été laissé derrière. Oh. Fait que là, les autres sont comme, plein de miel, partez de miel. Fait que là, ils prennent du miel sans arrêt, mais c'était du miel qui rend fou. Ah! Pas du le miel qui rend fou! C'est le sujet de ma chronique. On arrive à la toute fin. Ben, il reste 5 minutes. Et donc, qu'est-ce qui est arrivé à tous ces... Ils en ont trop pris parce qu'ils ne savaient pas que c'était du miel qui rend fou. Ils se sont mis à avoir de la diarrhée, mal de cœur. Ils étaient incapables. Et donc, Mithridate, lui, il savait, c'était un piège. C'était un honey pot trap, carrément. Et il a envoyé une tribu qui était fidèle à lui, qui normalement, tu sais, l'armée romaine n'aurait fait qu'une bouchée de tout ça. Mais là, vu qu'ils étaient tous malades à terre avec la diarrhée, ils les ont massacrés grâce au miel. Le miel. Si j'avais eu le temps, j'aurais pu aussi vous faire un long détour sur Xenophon. Non, j'ai pas le temps. Nicolas, t'as 5 minutes. T'as même 10 minutes. On t'interrompt moins, là. T'as 20 minutes. On t'écoute. Parce que Xenophon aussi, c'était arrivé. Xenophon, c'était un dude très, quand même important dans l'histoire parce qu'il était dans les premiers historiens. Plus que Jésus. Plus que moi. Dans les premiers sténographes. Il avait développé, parce qu'il était contemporain à Socrate, il avait développé un mode de note pour noter tout ce que Socrate disait. Ce qui faisait d'ailleurs qu'il critiquait beaucoup Platon, parce qu'il disait, Platon, tu dis n'importe quoi, c'est pas ça qu'il disait Socrate. Ça, c'était dans quel team là-dedans, toi? Toujours est-il que, c'est des faits historiques, là, je ne fais que les présenter. Il a écrit un ouvrage, l'Anabase. Et l'Anabase, c'est la montée vers le haut pays, c'est l'Arménie aujourd'hui. Et ça raconte l'histoire, une histoire fantastique de 10 000 mercenaires grecs, principalement des Spartiates, qui étaient avec Xénophon et qui sont partis en Perse. Ils se sont fait engager sous des fausses prétences par Sirius II pour venir l'aider à combattre des ennemis. Mais en fait, ils voulaient juste tuer son frère, le roi. Et donc, eux, ils sont complètement fait avoir là-dessus, puis ils se sont retrouvés en plein territoire perse, 10 000 soldats. Puis là, de faire, OK, mais là, si on reste là, lui, il vient de tuer son frère. Ben ouais. Il va nous tuer. Il va nous tuer. Ils vont se pogner à diarrhée. Fait qu'ils ont passé plus de 3000 kilomètres, ces 10 000 Grecs-là, à traverser en territoire ennemi, puis arriver à survivre. Puis ont-tu mangé du miel? Ben oui. La seule chose qui a eu raison d'eux, parce que là, il y avait tous des bouts là, qu'on pouvait lire de ça. Et je vais vous lire un passage, justement, de l'Anabase. Le chapitre 8, je vais skipper le chapitre là, où est-ce qu'il parle avec Socrate puis que c'est juste drôle. On va aller tout de suite au chapitre 4. C'est juste plat. Chapitre 8, dans les montagnes Kadouk, qui est entre la Turquie et l'Arménie. C'est un livre de Xénophon, l'Anabase. Donc là, ils se sont parlé entre eux puis ils sont vraiment crinqués. Ils sont en train de monter les montagnes. Cet avis est adopté. On forme les colonnes droites. Xénophon se porte à la droite et à la gauche et dit aux soldats, « Camarades, ces gens que vous voyez sont les seuls obstacles qui nous empêchent d'être déjà où nous désirons être depuis longtemps. Il faut, si nous pouvons, les manger tout crus. » Puis tu sais, il était vraiment manger le cul. Toutes sortes de tactiques qui leur ont permis de s'en sortir. Et là, ils arrivent.
Les ennemis, quand les Grecs commencent à courir, ne tiennent plus, mais prennent la fuite dans tous les sens. Les Grecs, arrivés en haut, cantonnent dans plusieurs villages pourvus de vivres abondants. Il n'y eut là rien qui parut extraordinaire, si ce n'est qu'il se trouva beaucoup de ruches, que tous les soldats qui en mangèrent eurent le délire, des vomissements, un dérangement du corps, et que pas un ne put se tenir sur ses jambes. Hein. Ceux qui en avaient peu mangé ressemblaient à des gens tout à fait ivres. Ceux qui en avaient pris beaucoup, à des furieux ou à des mourants. Mais beaucoup gisaient par terre, comme après une défaite. Il y avait un grand découragement. Ben, cependant, c'est sûr, décourageant. Cependant, ah, okay. Le lendemain, ça, il n'y eut personne de mort. Ah? Et les délires cessa. Ah. Vers la même heure où ils avaient pris la veille, la troisième et la quatrième, chacun se leva comme après une purgation. On dirait le pique-nique électronique. Fait que, ça ressemble à de la ayahuasca un peu. Là. Tu de ben, c'est vraiment de moins fort en fait, que ça. Qu'est-ce qu'il y a de spécial, ce miel-là? Ben, voilà, on va arriver au fond de l'histoire. Bon. Oui, ce miel qui rend fou, il est juste disponible dans des montagnes, dans une région montagneuse au Népal et dans la Turquie. La Moria! Et on le connaît, c'est que c'est les abeilles dans cette région-là, ils vont butiner des rhododendrons. Ah, et les rhododendrons, c'est riche en grayanotoxine. Ça me donne envie de butiner. Voilà. Et le grayanotoxine, c'est une neurotoxine. Donc le miel de ce butinage de rhododendrons, de ce pollen-là, est plein de grayanotoxine. Oh. Et qu'est-ce que ça fait, en fait? C'est que ça fait une baisse de pression, baisse du rythme cardiaque. Ça fait bander, ça? Ça pourrait... Il y a beaucoup de croyances populaires qui pensent que ça fait bander, effectivement. Ben voilà. Mais ça n'est pas démontré par la science. Juste de dire ça, ça me fait bander. On n'a aucune preuve empirique de ça, mais beaucoup en prennent pour ça. Je sens mon gland. Mais sinon... C'est plus dur, bander en vieillissant. Ça pourrait affecter le taux de sucre aussi pour les diabétiques, mais ça, ce n'est pas encore démontré. Mais en gros, en basse dose, c'est similaire aux effets du cannabis. Ah. Excepté que c'est moins un buzz mental, c'est plus un buzz physique. Tu sens le miel qui est un petit peu amer se diffuser dans tout ton corps. Et à haute dose, là, il y a des vomissements, diarrhées, nausées. Donc, c'est ça. Eux, ils avaient pris trop de ce miel-là. Et il y a un documentaire sur Vice sur des Népalais qui vont chercher ce miel-là, qui appellent les Honey Hunters, qui s'en vont chercher ce miel-là. Puis c'est débile, là. Ils sont dans les montagnes, dans une échelle, avec un petit panier, tout ça. Parce que sa femme en veut, là. Elle est comme, va me chercher du miel. Non, ils sont super chill, en fait. C'est ça qui est drôle. Ils font ça, puis ils disent, regarde, on fait ça parce que c'est le fun, c'est balasse déjà. Ah ouais, puis sa femme est en bas, elle dit « Ah ouais, va me chercher du miel. » Non, ils sont super cool. En tout cas, vous regarderez, le documentaire. Bas, là, tu l'as ton miel, là. Je n'ai pas regardé la même vidéo, je pense. Ben, je vous le conseille fortement. Ils ont avec son rouleau à pâte. On les voit après avoir chassé le miel, ils sont bien relax. Chasser le miel, con, je donne pas le flux, puis t'es malade. C'est si t'en prends trop. Ah, si t'en prends pas beaucoup, c'est cool. Si t'en prends pas beaucoup, c'est cool. Okay, c'est comme fumer un petit joint, tranquille. Devrais-tu le tester pour nous, peut-être? Ben, il faut en commander. Puis là, c'est compliqué à commander parce qu'il y a très peu de sources, comme je l'ai dit. Et puis, il y a des villages qui dépendent de ça pour leur subsistance. Mais il y a comme une popularité dernièrement sur Internet qui fait qu'il y en a beaucoup qui se vendent parce que c'est une zone grise de légalité, justement. Ben, ça doit être, puis, ça doit être légal. Il y en a beaucoup qui en vendent qui n'est pas très fort parce que c'est difficile, avec le miel, de savoir à quel point est-ce qu'il y a du grayanotoxine dedans. Tu peux en prendre un truc qui en a plein. Du vrai miel, mettons. Ben, c'est ça. Si j'en avais, j'en mangerais trop. Oh, c'est bon le miel. Il faudrait que tu te torches. Et voilà, full circle. Ah, c'est l'émission la mieux ficelée. Absolument, c'est la plus tight. Je t'avais terminé, Nicolas? Oui, ben il y avait le petit bout drôle avec Socrate, mais je pense que je vais montrer ton petit bout drôle. Vas-y, mais vite. Là. Ouais, montre-nous ton petit bout drôle. Moi, si tu me dis que c'est drôle. C'est juste parce que, tu sais, Xénophon, il va voir Socrate, puis il est comme... J'ai déjà le coup de rire. Je suis pas sûr que c'est une bonne idée d'aller chez les Perses parce que, tu sais, avant la guerre du Péloponnèse, vous savez tous, comme moi, qu'il y avait les deux guerres médiques. Oui. Les Perses, papa et fils, avaient comme allé taper dans le grec. Ils se sont dit, mais là, si on va là, ça va-tu mal paraître? Puis là, Socrate, il a dit, va à l'oracle de Delphes. Demande à Apollon. L'oracle de Delphes. L'oracle de Delphes, d'ailleurs, qu'on suppose qu'il peut-être se buzzerait avec le miel. En tout cas, c'est une ta chronique. Oui. Et là, il va là-bas, mais là, il va à l'oracle de Delphes, puis là, il revient à Socrate, puis il dit « Ouais, j'ai dit à l'oracle de Delphes, c'est quoi ma meilleure manière de réussir d'aller là-bas puis de revenir? » Puis là, Socrate est comme « D'où?
fallait que tu lui demandes s'il fallait que tu y ailles. Ah, pas la meilleure manière d'y aller. Je suis pas déçu. Elle est drôle. Envoie ça à drôle de vidéo. Envoie ça à drôle de vidéo. Ça, c'est de l'anecdote. Non, c'est drôle. Ah, c'est oui, drôle. Je suis d'accord avec toi qu'au début, je trouvais pas ça drôle. C'est comme, t'as pas posé la bonne question, même. Tu sais, t'avais déjà décidé que tu y allais. Puis là, Socrate, il dit « What's that? » C'est une autre prémisse, mais pas une chandelle. C'est vous ce que Platon dit à Socrate. Mais si vous voulez cette bonne... si vous voulez cette bonne blague-là, c'est dans le livre 3, chapitre 1. Ah, ben tu partages ça sur le groupe, de le groupe Facebook de l'émission. Merci beaucoup, Nicolas. On a beaucoup appris. On va terminer très rapidement avec Maxime, donc tes cheveux. Ça pousse, mes amis! Comment tu vis ça? Je vis ça bien. Je me sens comme... James Cayfield. Mmh. Oui, ben, c'est pas le premier qu'on a. C'est Kaya, ça. Oui, c'est Kaya. Kaya, oui, c'est vrai. Kaya, un peu comme Angel. Qui d'autre qui a des beaux cheveux? Danny Bédard, des beaux longs cheveux. Jerry. Moi, je vois juste Jerry. Jerry. Boom. Boom. Moi, j'ai des longs cheveux. Le Paf. Fils de Jerry. Pow. Piff. Pif, on aurait dû finir avant. Rappelez-vous du duo Yves et Martin. Ouais. Bien sûr. Ils ont voulu s'appeler Pif et Pouf comme duo. Oui, je pense que ça aurait été un meilleur nom que Yves et Martin. Par ailleurs, Yves, on va le recevoir à Opération Bertinoche live durant le. Vous y en parlerez de ça. On y parle Pif et Pouf. Vous parlerez de mes cheveux. What's up? Merci Jonathan. Merci Alex Lévesque. Merci Mathieu. Merci Nicolas. Merci Maxime. Et maintenant, vous savez, vous torchez, on continue pour les membres Patreon. What's avec tout le monde vivant. Vous allez voir Claude Crest, le 24 août, l'album de Maxime demain, mon show le 13 juillet. What's up? Ça va être bon. Bye bye. Fighter of the night, man. J'ai pas. Plus de rôles, plus les capables, plus politique, plus la paix. D'ici et d'ailleurs. Loft.